Hey les gars, c'est Flapik, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de ma série Easter Egg sur Call of Duty Advanced Warfare. Et cet épisode va être consacré uniquement au DLC Supremacy, donc qui a été disponible le 2 juin sur le Xbox Live. Donc j'ai deux Easter Eggs vraiment intéressants à vous présenter dans cette vidéo. On va tout d'abord commencer par le premier qui se trouve sur Skyrise, donc qui est le remake de la map Highrise de MW2. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au-dessus du toit d'un des bâtiments, nous avions plein de teddy bears cachés, donc je vous mets un petit screen à l'écran. Et bien cette fois-ci, ce ne sont pas des teddy bears, parce qu'on sait bien que les trucs qu'on retrouve régulièrement sur Advanced Warfare sont des marteaux de forgerons. C'est plein de marteaux de forgerons disposés partout. Je me suis rendu du coup de l'autre côté de la map, nous avions un teddy bear également de planqué sur une petite plateforme au-dessus d'un guichet. Bah là il n'y avait pas de marteau de forgerons. Ils l'ont pas remis, c'est bien dommage, mais c'est vraiment sympa qu'ils aient remis ces marteaux de forgerons, en clin d'œil vraiment à cette merveilleuse map de Modern Warfare 2. Le deuxième easter egg va se trouver sur Compound, donc je ne sais pas du tout si cette map se prononce comme ça, veuillez m'excuser pour mon accent qui est totalement dégueulasse. Mais alors cet easter egg va se trouver en out of map et c'est encore un clin d'œil à Modern Warfare 2. Vous devenez certainement vous souvenir pour les plus vieux de la map Rust, qui était l'une des plus petites maps disponibles sur tous les Call of Duty réunis et qui était une map vraiment exceptionnelle sur ce jeu. Et bien en out of map, vous pouvez voir que là où je vise, on pourrait dire que c'est à peu près Rust en version out of map. Et bien quand on y va en spectateur, en vue libre, et bien vous voyez que c'est vraiment vraiment la map Rust mise en out of map. Vraiment un très très bon clin d'œil, un vrai bon easter egg, ça fait plaisir. Franchement, à revoir ça. Donc je vous mets quelques petites images pour comparer, que vous puissiez voir par vous-même que c'est vraiment vraiment Rust remasterisé version out of map. Peut-être un indice comme quoi cette map serait sur le dernier DLC, ce qui serait vraiment sympathique. Donc voilà, j'espère que ces deux petits easter eggs vous auront plu. Encore merci à CodeUG s'ils upload ce 11e épisode avec des easter eggs vraiment intéressants. D'ailleurs, si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo. En attendant, je vais vous dire prenez soin de vous les amis et à la prochaine.